Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Climax 51, deuxième partie, tournoi Tetris The Masters 121, et place donc au second round et aux phases de repêchage ou de consolation, appelez ça comme vous voulez, tournoi regroupant 19 joueurs, ça fait du monde et on attaque et bien tout de suite par justement ce second tour donc qui réunit les joueurs ayant s'étant qualifiés de leur phase de poule. Alors même si on a une petite surprise puisque en fait il y a très peu de joueurs qui ont réussi à terminer leur partie, donc Ebomai, SQR, Yashichi, Kevin Eder, SAL et Corian, Ebomai, SQR, Yashichi, Kevin Eder, SAL et Corian ont terminé eux, donc ils se sont qualifiés directement puisqu'ils ont pris les deux places respectives de leur poule, en sachant qu'il y avait trois poules, et en fait se sont qualifiés au temps et ou au meilleur level, Aperture Grise, donc, et Tsubuname. Voilà, et bah, d'ailleurs, c'est Tsubuname hein, qui entame les hostilités. Il y a une réduction certaine, hein, évidemment, des handicaps. 7-7-7 n'est pas passé, hein, on rappelle, 7-7 est présent dans le tournoi, mais n'a pas réussi ne serait-ce que terminer, en fait, hein, la seule partie hein, qu'il a réalisée jusqu'ici, comme la plupart des joueurs. C'est aussi le cas de Esken, et la raison étant sans doute hein, qu'ils ont voulu jouer vite, puisque c'était une manière sûre pour eux de se qualifier, mais que ça ne leur a pas réussi, malheureusement. Donc, Tsubuname qui est toujours en tête et qui va être rejoint, puisqu'il a été le premier à démarrer par Yashichi, donc écran 1 versus écran 5 maintenant. Yashichi, il faudra suivre hein, Yashichi, homme habitué à bien passer les tours. Bon, ça va être quand même une poule assez solide hein, parce que SQR Korean qui se sont livrés un très très beau match d'ailleurs dans la poule C, il faut le noter. Kevin Eder, Aperture Grise aussi, beau combat qui a été mené dans la poule B, même s'ils n'ont pas réussi à se qualifier devant Ebomai qui a gagné tranquillement. Et la poule 1 était un poil plus faible. Et ça a permis donc à... déjà, Tsubuname s'en est sorti puisqu'il a été assez loin. Et c'est vrai que... je crois qu'SL est issu de la poule 1. Il est issu du super poule 1, excusez-moi. Petite toux. Ça arrive. pas très audiogénique. Mais voilà, la maladie, tout ça. Donc, on a 8 joueurs, alors là oui, il va falloir suivre tous les écrans, ils sont tous lancés maintenant et ça va être assez dense hein, comme combat, puisque vous avez vu, hein, les écarts étaient quoi, 1.30 maxi, donc on va avoir peut-être une meilleure appréciation d'ailleurs de ce que va nous livrer ce tournoi, puisque jusqu'ici, comme beaucoup de joueurs sérieux, dangereux, sont morts assez rapidement, eh bien ça a été difficile hein, de se faire une idée pour le moment dans ce 121e. Tournoi, je refais un tour des écrans, donc Tsubuname écran 1, voilà, qui a commencé d'ailleurs, Ebomai qui joue écran 2, en écran 3 nous avons Aperture Grise, écran 4 SQR, Yashichi écran 5, écran 6 Kevin Eder, SL est en écran 7, et pour terminer nous avons Corian écran 8. Évidemment grand favori de ce tour si on s'intéresse uniquement au temps, SQR, Corian restent des adversaires sérieux, et Ebomai évidemment qui passe souvent bien au milieu des mailles du filet, et il faudra surveiller Yashichi, hein, pareil, homme qui a l'habitude de se qualifier assez souvent pour les demi-finales. Nous intéressons donc aux 4 meilleurs joueurs. Hein. C'est eux qui vont avoir accès directement à la demi-finale, leur évitant 2 tours supplémentaires en passant par les repêchages. Mais ça va être chaud. Hein. Et repêchage qui va être dense aussi, hein, parce que dans le repêchage, vous allez vous retrouver face à du 7-7-7. On va avoir du Esken, donc il y a des gros gros joueurs. SMD aussi, hein, qui malheureusement n'est pas passé, Ryokocha, un peu surprise, voilà, ça laisse quand même pas mal d'opportunités pour d'autres joueurs peut-être de réussir à aller plus loin dans ce tournoi fleuve, hein, tournoi choral, tellement il y a de participants et ça fait plaisir. Mais comme je l'ai signalé, j'ai trouvé qu'en 2018, tous les tournois étaient relativement pleins, c'est-à-dire qu'on avait quand même minimum, on a toujours eu 2 poules, on a eu beaucoup de tournois avec 2 joueurs, 12 joueurs, excuse-moi, parce qu'avec 2 joueurs, ça faisait pas beaucoup.
enfin plutôt même du 14, hein, souvent qu'on avait 14 voire 16, et bah, c'est assez plaisant, voilà, on n'est pas en phase de dinette, et là je sais pas comment ça va se passer pour le tournoi d'août et de juillet étant donné la chaleur, hein. C'est vrai que là la grosse incertitude restant la chaleur, parce que de ce que je crois savoir, ce n'est pas une salle climatisée, il me semble, la salle Codaira, ou alors pas très bien climatisée, vous voyez, ça peut paraître bizarre au Japon, hein, mais c'est vrai que la salle Codaira, en plus, c'est voilà, c'est vraiment une salle qui n'est pas professionnelle, en la mesure où ça reste une petite salle de quartier, hein, alors c'est pas méchant quand je dis ça, mais... c'est pas une salle forcément pro, et puis elle est toute petite, donc oui, il n'y a pas des moyens incroyables, et d'ailleurs c'est une vraie chance, hein, que cette salle tourne toujours, surtout avec bah, les nombreuses salles d'arcade qui ferment au Japon. Donc nous verrons bien combien de temps tiendra cette salle encore, et si surtout elle va survivre à la chaleur. 450, plus, un peu plus maintenant, pour Tsubuname, qui tient toujours la tête, mais oui, bon, ils sont tous autour de 350 derrière. Hein. Donc, hormis Yashichi, puisque lui, il a démarré quasiment... c'est le plus proche, hein, de Tsubuname à avoir démarré. Il a démarré quasiment immédiatement après. Donc... ça, c'est bien normal qu'il soit dans les 400, mais tous les autres joueurs, là il y a d'autres joueurs, ils vont tous franchir le 400 en même temps, c'est le cas de Korean, c'est le cas de Aperture Grid, ça a été aussi le cas de, comment il s'appelle, Ebomai, excusez-moi, par contre, voilà, déjà en retrait, on peut noter, donc les joueurs 6 et 4, Kevin DDR et SQR, alors c'est moins surprenant pour SQR. Oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'ils doivent être à peu près... Non, ça doit être normal, parce que je pense que leur temps GM ne doivent pas être si éloigné que ça. Korean, je me souviens jamais, mais Korean n'a pas un temps incroyable, en fait. Hein, enfin, incroyable. Comparé à ce qu'on peut trouver à la salle Kodaira. Hein, entendez bien ce que je veux signaler ici. Mais rien d'inquiétant du côté de Kevin DDR et de SQR. Ils ont largement le temps de remonter. Pas de mort non plus à signaler. Les 500 ont été franchis et par Tsubuname et par Yashichi. Et ils viennent d'être franchis d'ailleurs également par SAL, hein, que j'avais laissé un peu de côté. Et Korean, hein, voilà, Korean, ça level stop du côté de Ebomai. Attention, ça y est, Ebomai qui a passé son level 500. Mais du coup, Aperture Grise l'a passé un peu plus tôt, il m'a semblé. C'est aussi le cas de SQR et de Kevin DDR, qui sont en train de rattraper d'ailleurs Ebomai et Aperture Grise. Ces deux joueurs, SQR et Kevin DDR, qui sont en train de rattraper donc des opposants qui sont leurs opposants plus directs, alors que nous avons un hispanique dans le chat, c'est assez rare, alors le pauvre, personne ne va comprendre ce qu'il dit, hein, parce que déjà, il y en a plusieurs même, ah non, il y en a un qui a... D'accord, je sais pas, il y a une arrivée, il y a un raid hispanique, je ne sais pas. Je ne connais pas la communauté hispanique, mais là, ça se met à parler en espagnol, il me semble. Alors déjà qu'ils ont du mal à parler en anglais, les japonais, je suis pas sûr que l'espagnol, ils maîtrisent bien. Alors peut-être qu'il y a quelques joueurs occidentaux qui connaissent le... Peut-être les joueurs américains qui peuvent un peu comprendre ce qui se passe. Et je suis même pas sûr. Mais bon... je ne sais pas, est-ce qu'il y a un joueur qui est suivi par une communauté hispanique? Est-ce que c'est la communauté du Mexican Runner qui est là? Aucune idée. En tout cas, ça ne change rien au fait que Tsubuname est en tête, avec, et bien en tête, hein, là, avec ses 710, tranquille. La structure est plutôt pas inquiétante, donc il n'y a pas de raison qu'il concède tout de suite quelque chose. Là, il va falloir juste qu'il soit un peu patient pour récupérer. Tac. Voilà, là c'est fait, ouais, barre qui est bien placée complètement à droite, ce qui est un bon choix, hein. Voilà, là, plat, ah, ok, non, il a préféré essayer de récupérer, d'accord, il veut récupérer, parce que de toute façon, il va pas récupérer comme ça, hein. Donc, oui, il va être obligé de faire un double pour récupérer, ça va être assez pénible, alors là, problème, ouais, la barre, elle a bien contrôlé, parce que la barre, il fallait peut-être pas réussir à la coincer, vous voyez, en troisième colonne, en partant de la gauche, ça aurait été assez pénible, et du coup, il a essayé de faire attention.
On va refaire un point peut-être sur ce qui se passe. Alors c'est vrai que Tsubunami est en tête d'une quarantaine, soixantaine de levels, mais derrière lui, il a SAL. Hein, c'est sans doute le joueur le plus proche, puisque étonnamment, Yashichi là est un peu freiné. Je ne sais pas pour quelle raison il n'avance plus si bien. Alors on va voir, hein, c'est peut-être juste un passage un peu moins rapide pour lui. Vaut mieux anticiper la distribution. Et ça arrive fortement, alors notamment du côté d'Esquire, qui a pris le large, alors et sur Kevin DDR, mais également, alors puisqu'ils étaient en train de les déplacer, de les dépasser à un moment, là il est bien devant Aperture Grise et Bomaï. Donc belle partie là ici de SQR et Corian qui est bien aussi, hein, il ne faut pas oublier Corian qui est avec 830, le joueur peut-être, c'est lui hein, qui est le plus proche en fait maintenant de Tsubunami, ouais, ce qui est assez surprenant. Donc il y a une grosse partie qui a été lancée par Corian et SQR, il va falloir vraiment suivre ça, les autres ont encore un coup à jouer, mais ça va être très difficile de rattraper ces hommes pour le moment qualifiés, hein, Tsubunami, SAL, Corian, SQR, c'est vous dire l'intensité alors que ils ont démarré en dernier, hein, ces hommes, mais il faut pas oublier, enfin quasiment en dernier, mais il faut pas oublier que là le différentiel est beaucoup plus faible. Donc ce qui fait que ça va laisser des possibilités. Ouais, Corian qui est déjà à 900. Et il a rattrapé Tsubunami. Il est en train de l'avaler. Tsubunami en même temps connaît quelques difficultés ici. Il est beaucoup moins rapide. Il ne profite pas hein, évidemment de toute l'aire de jeu comme vous le voyez à présent. Du coup ça laisse une grande porte ouverte à Corian qui est quasiment seul au monde. Hein, rattrapé peut-être juste par... oh là là, c'est la mort de Tsubunami qui va aller en repêchage. C'est le premier hein, dont on connaît le nom à se situer donc au... en repêchage, et là on a attention du côté de Corian. Oh, y a rien d'inquiétant là, c'est juste qu'il a sans doute été obligé d'élever sa structure. Voilà, parfait, c'est bien monté hein, pour réussir à placer cette barre sans aucune difficulté. Il récupère son pierre Tetris sur la droite, c'est très très bien fait. Un Corian seul au monde pour le moment, rien ne peut l'arrêter. Ensuite, on doit avoir un match entre SL et SQR qui va sans doute profiter de SQR. Et alors après, c'est très très serré et ça va profiter sans doute soit à Ebomai, soit à Aperture Grise. Kevin Eder étant complètement, j'ai l'impression, dépassé par les événements. En tout cas, qualification tranquille ici pour Corian avec un magnifique 9.37. Alex, qui va se qualifier là, ça devrait être SQR. SQR, SQR, qu'est-ce qu'il fait SQR, SQR, allez, 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 SQR. Voilà, SQR qualifié, donc second, directement pour la demi-finale. Et ça va être pour Ebomai. Non, Aperture Grise sur le fil et Ebomai. Voilà, les qualifiés. Et donc, en repêchage, eh bien, Kevin est parti très très lent hein, de la part de Kevin. Enfin, comparé à ses habitudes, c'est un peu lent. Il aurait été capable de faire beaucoup mieux. Voilà, il finit GM en 10-21. SL a fini avant lui en 10-13. 11-03 pour Yashichi. Ça ne suffira pas. Yashichi, vraiment compliqué. Et donc, Aperture Grise qui s'en sort le mieux. Malgré l'énorme performance hein, de Corian, mais il ne faut pas non plus oublier SQR hein, avec son 9.47. Hein. Oh là 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 là, ouais. Alors c'est assez marrant, là, le chat qui n'est pas habitué, qui compte les nombres de GM en fait. C'est assez drôle pour eux. C'est vraiment marrant là, de voir les gens qui comptent les GM comme si c'était un événement. Allez, on va passer donc au premier tour de repêchage. Puisqu'il va en avoir deux. Donc celui-ci va regrouper... Quoi? Pourquoi il y a Aperture Grise? Il n'est pas passé à Aperture Grise? Oh! Ah mais je me suis planté, c'est pas Aperture Grise. C'est SAL alors qui est passé avant lui. D'accord. Ah putain, j'étais persuadé. Alors Ebomai a dû finir juste avant... Ah oui, non, c'était écran 2, oui, pardon, je me suis planté, excusez-moi. C'est Ebomai qui a fini juste avant Aperture Grise, oui, je confonds les deux écrans, il était 2 Ebomai, oui, et 3 Aperture Grise, oui, pardon, excusez-moi. Donc c'est SAL, Ebomai, SQR et Corian qui se sont qualifiés, pardon. J'ai été un peu vite, et oui, j'ai confondu les deux écrans. C'est 2 Ebomai, du coup, j'ai cru que c'était Aperture Grise, et non... Et oui, donc du coup, c'est Ebomai qui s'est qualifié. Et vraiment, ouais, ça s'est vraiment pas joué à grand-chose hein, pour Aperture Grise, dommage.
Mais c'est là où on voit toute la difficulté, hein, la violence des tournois. Ça se joue des fois à rien. Premier tour de repêchage dans lequel nous avons trouvé Aperture Grills, SKN Mintia. Alors gros tour de repêchage. Alors 3,50 hein, pour 7-7-7, puisque du coup il y a Mintia. Ça va être dur. Delu, voilà, qu'on voit en position, en écran, qui joue en écran 5, Kevin DDR en écran 6, 613 en écran 7, et Loom en écran 8. Oh, ça va être assez intense. Ça va être très difficile hein, aussi. Donc là, les 4. Alors, ce qui va se passer, hein, je vous explique. Donc, les 4 premiers vont rencontrer les 4 derniers du tour que vous venez de voir. Ah, bah non! Ah non, ils les ont rebrassés complètement. D'accord. Bah oui, non, puisqu'il y a Aperture Grills. Non, je dis une bêtise d'ailleurs. Oui. Ah oui, alors donc ils ont repris tout le monde. Ah oui, ils ont dû repêcher tout le monde en fait. Pour pas qu'il y ait de gens délaissés, ils ont dû reprendre tout le monde. Les 4 autres joueurs, puisqu'ils étaient 19. Ils étaient 19, il y en a 8, il en restait 9. Ouais, voilà, je vais pas arriver à compter comme ça. Mais je sais pas si d'ailleurs tout le monde participe au repêchage. C'est une grande question, peut-être. Puisqu'ils étaient 19. Donc, il y en a 9 qui sont partis. Il y en a 8 qui sont partis. Et donc, il n'y en a que 4 qui sont qualifiés. Donc, ça veut dire oui, qu'il en reste 15. Donc, non, il y a un joueur qui, a priori. Ah, bah si, 8 et 8, 16. Mais comment ils ont décidé alors, du coup oui, parce qu'il y a 4 joueurs qui, eux, n'ont plus besoin de faire quoi que ce soit. Alors, je ne sais pas comment ils ont décidé, là, d'ailleurs. Je ne sais pas comment ils ont fait. Est-ce qu'ils ont après fait autant? Est-ce qu'il y a un joueur qui a dû sortir, logique. Enfin, non, il n'y a pas un joueur qui a dû sortir, mais je ne sais pas comment ils ont fait pour remplir. Parce que s'ils ont repris tout le monde. Ouais, bref, je sais pas. Je m'en mêle les pinceaux, j'essaie de compter en live et du coup je dois faire des erreurs. Mais logiquement. Ouais, parce qu'il y a que 4 joueurs qui sont placés. Tous les autres joueurs, soit sortent. Il y a 4 joueurs qui sortent du tour qu'on vient de voir avant et il y a tous les autres joueurs qui s'étaient pas qualifiés. Ouais, bon, bref. Je ne sais pas comment ils ont décidé de faire pour choisir là de dire on met Mintia. Ils ont peut-être placé des joueurs, les joueurs les plus faibles, ils ont peut-être mis dans ce tour-là. Et il y en a peut-être un d'autres qui vont qui sont eux, ils ont estimé qu'ils se qualifient directement pour le second tour de repêchage. Possible qu'ils aient fait quelque chose comme ça pour mixer, que ça laisse une possibilité à tous les joueurs de faire le plus de matchs possible. En tout cas, Mintia a démarré les hostilités. Il ou elle a été rejoint, parce que je ne sais pas, elle a été rejoint par. Donc en écran 5, Delu, en écran 7, 613, et en écran 1 qui vient juste de démarrer, Aperture Grills. Et on a Loom qui vient de démarrer. On va donc attendre encore un peu les autres joueurs pour voir ce qui se passe. Ça va être difficile, hein. Ça va être très contrasté au niveau des temps, quand on a des différentiels aussi élevés. C'est vrai que ça fait un grand changement là, de level hein, entre le second tour et puis ce repêchage. Alors qu'on n'attend plus que Esken et 777. Alors c'est vrai que peut-être hein, vous choisissez de regarder un écran, ce qui peut être une solution, hein. Je vais essayer de vous guider pour ce qu'il reste, si j'y arrive, parce que des fois c'est assez complexe. Surtout hein, ces phases où je ne vois pas bien les chiffres et les unités. Rappelle que ce tournoi, je crois qu'il est capturé, la captation se fait en 480. Ce qui des fois est pas génial, surtout du fait que c'est pas du plein écran et qu'il y a, il y a 4 écrans en fait de bornes. On a à chaque fois 4 bornes. Qui tournent en même temps qui sont capturés. Et nous, ça divise encore par deux, puisqu'il y a deux écrans par borne, enfin deux écrans de jeu, deux aires de jeu par borne. Et donc, ça rend les unités de plus en plus petites à ce facteur-là. Heureusement, il n'y a pas plus de joueurs. Si, parce qu'il y aurait de la place, hein, vous voyez, on imagine, on resserre encore un peu, on pourra avoir deux écrans supplémentaires, deux bornes supplémentaires, et alors là, on s'en sort plus. Hein. Là, c'est la fin. Hein. Là, je décède hein, dans le commentaire. Mintia qui vient de franchir les 400. Sa grande avance.
avec une construction qui s'est étalée un peu sur la gauche. Je ne sais pas vraiment pourquoi ce choix, mais bon. Voilà, là on va essayer de récupérer. Ouais, ça remonte, hein. Train de monter sans doute un Tetris. Voilà. Préparer des Tetris sur le côté droit. Hop, voilà, petit Tetris. Ouais, pour essayer de faire fi hein, de l'erreur de fond de jeu. Pas trop s'en occuper. Ouais, bon, là ça corrige un petit peu, ça gratte, gratte. Ah, on va pu le mettre un cran plus loin pour préparer un. Ouais, là pour préparer un futur Tetris. C'est un peu dommage là. Ouais, parce que du coup, on va être obligé de compléter une barre là, vous voyez, qui est ici gaspillée. Alors heureusement, il y a une autre barre qui a suivi assez rapidement. Faire attention. Ce genre de choses. Ouais, là ça va monter sans doute un Tetris, hein, encore une fois sur la droite. Voilà, ça ne s'occupe pas de récupérer, ce qui est un bon choix. Enfin, juste ne pas être pris au piège et du level stop. Les 500 viennent d'être franchis d'ailleurs, hein, pour Mintia. Voilà, 500 de franchis donc pour l'écran 3. Et les autres sont encore loin. 360 hein, pour ceux qui sont le plus avancés, c'est l'écran 5 d'Oloo et l'écran 7 613. Mais ça reste assez éloigné tout ça. Mintia pour le moment qui gère bien et oui, qui a fait le choix de tout de suite jouer très très bas pour gérer l'arrivée du 20G. Sans doute Mintia pas très à l'aise avec ce 20G. Préfère essayer de jouer sécurité. Voilà, en jouant sécurité en mettant en attendant des barres partout, c'est pas forcément. Alors ce qui est bien vu par contre c'est que c'est décalé, c'est pas au centre. Donc alors, toujours là par contre. Ah ça c'est pas bon ouais. Ouais, c'est bizarre, hein, il y a des choix qui sont bizarres. Très très étranges là. Alors après c'est reparti sur une structure à Tetris, hein, donc pourquoi pas. Mais voilà, ouais, c'est bon là, aidé par la distance. Oui, oh bah oui, ça c'est bien vu parce que s'il y a une barre qui arrive, ok, ouais, ça par contre c'était bien joué. Et alors il fallait miser sur la barre hein, parce que si la barre n'arrivait pas, ça ne passait pas. Et là il faudrait utiliser. Ah ouais, attendre pour utiliser la pièce bleue. Et c'est plutôt pas mal là parce que du coup Mintia a profité du. Ah, ça c'est pas bon par contre, ah là là, et oui. La pièce verte qui empêche la barre de tourner. Ah, c'est dommage parce que ça avait été bien vu profiter du décalage qui avait été fait pour bien faire tourner la barre et après on retombe dans une erreur assez bête. C'est dommage. Vraiment dommage. Et là du coup Mintia qui est dans la difficulté alors que le jeu était bien. Hein. C'est, ouais, on sent qu'il y a, ça stresse un peu en fait dans les 20G. Alors que c'était bien parti, les choix étaient les bons. Hein. Dommage. Là ça va être assez. Ah non, la pièce bleue aurait peut-être fallu la mettre à gauche. Hein. Alors un peu de chance parce que la barre arrive. Mais la barre serait pas arrivée. Ouais, tant d'axes comme choix. Ouais, peut-être plutôt la pièce orange. J'aurais peut-être mis plutôt essayer de la mettre à plat sur le dos. Ouais, de toute façon, c'est la mort. Ah, Mintia. Et c'est dommage hein, parce que Mintia avait vraiment une possibilité. Grosse erreur là avec la barre. Et ouais, je pense que. Oh! Et du coup, Dolu aussi qui sort. Et eh ben, Dol qui. Alors, Dol, c'est marrant parce que c'est un joueur que je commentais il y a très très longtemps. Hein. Dol, ça fait partie. Hein, c'est comme Loom, hein, ça fait partie des vrais anciens des tournois. Hein. Ils étaient là. Je pense qu'ils étaient là même au début. Hein. Moi, je commentais pas les tournois vraiment au tout début parce qu'ils n'étaient pas tous captés. Hein. Ils n'ont pas tous fait l'objet d'enregistrement conservé. Malheureusement. On a souvent des résultats plus. Je sais même pas si c'est encore trouvable, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, d'ailleurs je le signale jamais, peut-être qu'il y a des joueurs qui le savent et ils me disent, tiens, mais c'est pourquoi quand tu sais pas quels joueurs ont fait quel résultat, tu pourrais aller voir. Voilà. En fait, il y a Hatchard qui a un espèce de blog Yahoo, c'est pas une espèce d'ailleurs, c'est un blog Yahoo, et en fait dedans il retranscrit tous les tours avec les différentiels, qui a fini premier, comme il existait, sauf qu'avant elles étaient, c'était plutôt uploadé sur le site Pier21, et maintenant c'est plus vraiment le cas, je sais même pas d'ailleurs si le site a encore une activité, et donc c'est Hatchard qui tient un blog avec ça. Ça va être lui le monsieur chiffre, parce qu'à un moment donné, il me semble que c'était Corian qui s'occupait de ça, mais c'est plus lui, il a dû passer le relais, c'est Hatchard. Qui sont. Oh! Et malheureusement, 7-7-7. Bon, bah, cette fois-ci, 7-7-7 sort définitivement de ce tournoi. 7-7-7 qui n'aura pas été un grand jour. Hein.
Ah, ça arrive, hein, ça arrive. Voilà, même le meilleur des joueurs de Tetris, hein, connaît des jours sans, pas croire. Il y a souvent beaucoup d'échecs, hein, pour très peu de réussite, hein. C'est un peu la loi de Tetris quand vous voulez jouer à l'optimisation, du temps. Comme les runs de Monster Hunter. Hein. Mon run de Monster Hunter, c'est souvent joué très bourrin, avec énormément de déchets, pour très peu de runs, qui vont aller très très loin en fait. Hein. Sauf les runs multi-monstres. Les runs multi-monstres sont joués un peu plus safe, évidemment, puisque ça va aussi dépendre de facteurs très aléatoires, donc on ne peut pas trop se permettre de jouer très bourrin. Par contre, sur un monstre donné, on va jouer très bourrin. Voilà, c'est un peu la philosophie. On en reparlera, hein, des runs de Monster Hunter. Parce que le rattrapage étant fait maintenant, ça fait plaisir. Et donc pardon, j'allais dire on a les 4 joueurs qualifiés. Non, non, parce qu'ils sont 5. Ils sont 5, il y en a encore. Alors, c'est vrai qu'il faut que je fasse un point sur les classements là maintenant, puisque ça reste très serré. Après l'éviction, notamment de Mintia et d'autres joueurs. Donc en tête, nous avons Aperture Grise, qui bloque un petit peu au 800 ici. Et derrière, pas mal de joueurs autour de 770, 790, 80 même. Le deuxième joueur étant Kevin DDR. Donc les deux joueurs américains ont un coup à jouer ici pour se qualifier. Très 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 bonne chose pour eux, passer un tour. Je crois qu'ils avaient réussi la dernière fois. En tout cas, j'ai souvenir que Kevin Dedder avait été au moins jusqu'en demi-finale. Donc c'est bien, hein. C'est GG à lui, hein, parce que c'est pas évident. C'est faisable, mais pas évident. Oui, c'est lui qui est deuxième avec Aperture Grise, mais il est en train de se faire rattraper notamment par Loom, hein, Loom qui est pas loin. Alors se faire rattraper, ou en tout cas, Loom est très proche. Je sais pas si qui est passé devant, parce qu'il me semble. Non, je crois que Loom a démarré juste après Kevin Nader. Donc c'est imaginable. Mais il faut pas oublier Esken. Hein. Il y a Esken qui va venir mélanger un peu tous ces joueurs, un peu les laisser pour certains sur le bord de la route, puisque lui, il n'a pas succombé à sa partie. Il tient bien. Et il est en train de rattraper Kevin DDR. Voilà, même si là, il est encore un peu loin des 900. Kevin DDR, lui, a une dizaine de levels d'avance, voire même un petit peu plus. Ouais, il est toujours bloqué. Ça y est, les 900 ont été passés. Donc, maintenant, par Esken. Ah, là, il se retrouve dans une situation peu agréable, d'ailleurs, Esken. Alors, bien maîtrisé, quand même. Hein. Regardez le jeu. Le jeu, il a réparti les erreurs, mais il a une erreur au centre. C'est-à-dire qu'il a bien réussi à déplacer les erreurs, mais l'erreur au centre, là, risque de l'ennuyer. Ah, c'est quand même bien fait, ça. Oh là là, ouais, c'est bien vu. Ce placement de pièces, là, qui lui permet d'en réparer une partie. Il est très, très à l'aise, hein, ici, Esken. Pas très dérangé par tout ça. L'homme qui secoue la borne, hein, je le rappelle. Je sais pas s'il fait toujours ça, mais il existe une vidéo, hein, vous pouvez aller voir ça. Oh là là, c'est terminé pour Aperture Grise, hein. Belle partie, hein. Rien à dire, Aperture Grise qui s'en sort très très bien. Et il devrait être suivi de Kevin Dedder qui devrait se qualifier aussi. Ensuite, Esken et Loom. Voilà, qualification donc de Kevin. Belle partie en 10-08. Et voilà, partie en 9-44. Hein, belle partie aussi, hein, de Esken. 9-44, c'est violent. Quand même le signaler en dessous des 10 minutes. Alors là, il y a tous les fanboys de Kevin qui sont là, oh, c'est incroyable et tout. Oui, bon. Il en reste des tours à passer. Hein. C'est que le premier tour de repêchage. Mais c'est bien joué, en effet. C'est bien joué. Et on va voir, hein, ce qu'ils vont. Ah, alors attendez. Non, c'est bon. Ah, si, du coup, c'est. Alors, attendez, là, il faut que je revienne. Qui c'est qui s'est qualifié? Ah oui, c'est ça, ils vont décider de ne pas jouer celui-là complet. Ah ouais, ils ont complété avec des joueurs qu'on n'avait pas vus. Alachan qui revient. Ouais, et du coup, on se retrouve avec Tsubuname, Iyoko aussi, qui va intégrer. Ah, mais attends, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais attends, il y a 3 tours de. Il y a 3 tours de repêchage ou quoi? Donc SMD, Yashichi, putain, je comprends rien. Ryoko-cha, Alachan. Qu'est-ce qu'il y aura 3 tours de repêchage? Ah, ou alors il n'y a pas 4 qualifiés en fait. C'est 2-2. Ah, si ça se trouve, c'est 2-2. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Les 2 tours de repêchage font qu'il y a 2 qualifiés en fait. Donc,
Il y a sans doute Kevin Dedeer et Aperture Grills qui sont qualifiés, mais non, Esken ne se serait pas qualifié en fait. Là, c'est les deux. Il y a deux autres personnes qui vont directement se qualifier pour la demi-finale. Ah, c'est ça, ouais, c'est ce qu'il explique là dans le chat. Oui, ok. Oui, j'avais complètement oublié que. Ah, c'est pour ça que je comprenais rien avec ce qu'ils avaient fait. Eh oui, ils ont fait le choix. Oui, ce qui est plus logique en même temps. Ils ont forcément toujours raison. Ils sont bien meilleurs que moi. Et oui, c'est normal. En fait, ils prennent 2-2 pour laisser des chances à tout le monde. Donc là, on va avoir une poule un peu, peut-être un peu moins relevée. Peut-être plus de batailles internes, par contre. Et du coup, oui, Kevin et Aperture Grills sont directement en demi-finale. Puisqu'ils font 2-2. Et malheureusement, Esken et 777, ouais, ne sont pas qualifiés. Et là, on retrouve donc. Alors, écran 1, Tsubuname. Écran 2, Iyoko, qui n'a pas été très performant jusqu'ici. Écran 3. Alachan, écran 4 Yokocha, écran 5 Hatchar, écran 6 SMD et écran 7 qui a déjà d'ailleurs démarré Yashichi. Yashichi qui n'avait pas joué depuis un petit temps là en 2018. Puis quelques tournois il n'était pas là, autant Yokocha était très très fidèle à tous les tournois. On a quelques absences constatées du côté Yashichi. Alors qu'il était très présent en 2017. Voilà, et tous les jeux. Non, tous les gens n'ont pas commencé. Ah si, voilà, c'est Iyoko a commencé, il manquait plus qu'Iyoko, qui n'avait pas démarré. Ouais, là, tous les joueurs ont commencé 6-4-2, ils ont tous commencé en même temps. C'est qu'il n'y a pas de vrai. Ils ont essayé d'équilibrer en fait. Hein. Ils ont fait deux tableaux assez équilibrés parce que là, il n'y a pas, vous voyez, de grosses bêtes de compétition. Alors évidemment, l'avantage va à Yashichi et à Yokocha parce que c'est des joueurs qui sont habitués à aller assez loin et qui sont solides. Mais il y a SMD aussi hein, qui peut participer à cela. Après, ça va être plus compliqué hein, et notamment parce que Yoko est en petite forme. Sans doute qu'il a dû améliorer, c'est pas qu'il est en petite forme, hein, c'est que je pense qu'il a amélioré son best et que ça lui pose énormément de soucis pour faire des temps autour de son best ces temps-ci. La réalité étant difficile à atteindre une fois qu'on a sorti un très bon temps. Peut-être aussi qu'il ne joue pas une cadence effrénée, hein, Yoko. Hein. Donc on a 220. 226, 228 maintenant pour Tsubuname. Écran 1 en tête. Joueur assez proche qui est en train de fortement level stopper, c'est Alachan, qui a réussi enfin à passer. Ça a été difficile, mais il est passé. Et ensuite, troisième position, nous avons Hatchar en écran 5. Alors deux qualifiés hein, ici aussi pour rejoindre cette demi-finale assez mouvementée. Tant qu'on espère avec du challenge, avec des courses-poursuites, avec de l'intensité. C'est vrai que c'est. Ça serait pas trop demandé. Parce qu'au final, on a pour le moment un tournoi assez bizarre. Hein. Faut bien dire, on a eu quelques duels, mais après, souvent des joueurs qui étaient bien en avance, d'autres qui étaient bien en retard. Et du coup, c'est vrai que ça laisse un tournoi. Ah, il a raté. S'il a raté son chargement là. Ah, c'était peut-être fait exprès là de la part de Hatcher. Ouais, là, pas mal la petite récupération. Hop. Ah oui, bien vu, là, ce mouvement où il a fait voler, bien anticipé, là, il a bien utilisé le das et toute sa technicité pour réussir à faire voler le T-spin à plat de l'autre côté, enfin le T-spin, le T de l'autre côté, là, et le faire arriver à plat, c'était très bien fait, ça, de la part d'Hatchar. Mouvement pas forcément évident à réaliser. Alors, plus facile à y réaliser, évidemment, à petite vitesse, hein. Et je crois qu'il est quasiment pas possible de le faire en 20G. Enfin, peut-être, si la structure est plane, si vraiment il n'y a rien qui empêche la pièce de tourner. Et utilise manifestement très très bien le lien bouton A bouton C, puisque je rappelle hein, que ces deux boutons offrent le même sens de rotation, parce que ça se joue à trois boutons, hein, si vous ne le savez pas, TGM, ça ne se joue pas à deux boutons, mais bien trois boutons pour
pour avoir accès en fait à une palette de mouvements assez intéressante. C'est surtout que ça va permettre d'opérer des rotations très rapidement. On va être beaucoup plus fluide en faisant des AC, ACB éventuellement si on a besoin d'autres mouvements. En pianotant en fait, ça va être des fois plus facile de faire, vous voyez, BAC ou enfin de composer avec ces trois boutons plutôt que de double taper sur un bouton, voilà, de faire du tap. C'est souvent pas, et c'est pas évident, hein. Moi par exemple, j'ai encore beaucoup ce problème. Je fais trop souvent des fois du tap. Alors que ça serait plus fluide de faire du pianotage, de passer d'un bouton à l'autre. Ça, c'est vraiment les optimisations invisibles, hein, pour le coup, puisque là, ça peut se voir éventuellement sur les écrans quand on a l'œil, mais c'est des choses qui se passent physiquement sur le panel de la borne. 500 qui vient d'être franchi par Tsubuname, toujours en tête. Alors inquiété par qui? C'est toujours Yayashichi. Ouais, parce que là, Alachan, qui avait des difficultés, hein, qui a pas mal le val stoppé, on s'en rappelle, et eh bien là est très très haut. Alachan qui essaye surtout de respirer, ouais, emplacement en vue pour la barre. Carré mis à gauche. Peut être dangereux. Alors c'est bien, là ça lui réussit, par contre. Ouais, il se prend un thé. Oh, et malheureusement, ça y est, Tsubuname qui sort. Ah là là, donc là, les cartes sont rebattues. Avec donc Yashichi qui passe en tête, suivi de l'écran. Alors Yashichi en écran 7, suivi de l'écran 5, Hatchar. Donc là, les deux joueurs à être qualifiés pour le moment, ce sont eux. Et juste derrière, donc, on a Yokocha. Oh, et c'est aussi la mort de Yoko. Voilà, Yoko qui. Il est vraiment plus à. Sans parler, hein, de ne pas faire des temps extraordinaires, il finit même plus de partie, le pauvre Yoko. Hein. Oh là là, Yoko, hein, qui n'y arrive pas. Les tournois défilant, la mort le gagnant. Ouais, c'est difficile pour lui. Hein. Courage, hein, Yoko. On souhaite que ce passage à vide change. Vraiment dommage. Et donc, eh bien, alors il va avoir peut-être du bouleversement, parce que ça se resserre. Alors très légèrement en tête, maintenant j'ai envie de dire, on a Hatchar. Non, excusez-moi, on a toujours Yashichi, mais derrière, il y a notamment Ryokocha qui arrive sur les traces d'Hatchar. Donc premier et deuxième, Yashichi et Hatchar, et donc suivi par Ryokocha. Ryokocha, écran 4, bataille donc entre écran 7, écran 5, écran 4. Pour le moment. Et encore un peu derrière, nous avons Alachan, écran 3, et dernier, écran 6, et Semdi, qui lui aussi n'est pas dans un grand jour. Et Alachan qui s'en sort bien là. Hein. Alachan qui lutte, et qui explique hein, qu'ils sont en retard. Mais malheureusement, grosse perte de temps. Mais bien vu de la part d'Arachan. Alors que le jeu est un peu plus difficile hein, du côté de l'écran 5 de Hatchar. Il attend une barre ici. Ah, ça y est, elle arrive enfin. Ah, ça va lui donner de l'espace. Il est obligé d'être patient. Alors que le jeu se passe beaucoup mieux, vous le voyez, hein, du côté de Yachichi, écran 7, qui défile avec 711. Et d'ailleurs, ça y est, hein, Ryokocha est passé devant Hatchar. Hatchar qui n'arrive pas, hein, qui brode et qui ne récupère pas son bas de jeu. Donc, étant eh bien, handicapé de la sorte, il n'arrive pas à aller suffisamment vite. Et c'est bien naturellement que Ryokocha passe devant. Et il va falloir surveiller Arachan, hein, parce que Arachan, qui a bien récupéré son aire de jeu, peut faire une belle remontée là. Il est déjà à 707, 708, il n'est plus qu'à une vingtaine de levels. Hein. Alors, pas forcément gagné, hein, mais peut-être passer lui aussi devant Hatchar. C'est imaginable. Pour le moment, donc, toujours en tête, Yashichi, pas trop inquiété, hein. Le joueur dont il va falloir s'inquiéter, là, c'est Ryokochan. Ryokocha, il est sur le point, il a rattrapé Hatchar, et il commence. Attention, level stop hein, du côté de Yashichi. Et il commence justement à rattraper ce Yashichi-là. Yashichi qui level stop, c'est pas une bonne chose. Ça peut faire basculer un match. La grosse sensation ici, c'est peut-être Ryokocha qui va la créer avec une arrivée. Tonitruante. Ah, il est en train de le rattraper. Hein. Il est en train de le rattraper, la Ryokocha, à une dizaine de levels, alors que pendant ce temps, malheureusement, Arachan est mort, alors qu'il avait bien récupéré son jeu quelques secondes plus tôt que minutes. Mais ça n'a pas suffi.
Allez, grosse bataille là qui est en train de se livrer hein, entre Yashichi et Rikocha. Rikocha qui donne tout hein, pour essayer de récupérer. Yashichi qui est plus en bas de jeu, donc là qui va être obligé de construire et attendre un peu avant le Tetris là, qui vient de parler, qui lui permet de conserver la tête actuellement. Rikocha qui a été obligé, lui, de concéder quelques erreurs. Donc il va devoir être patient, ce qui va peut-être profiter à Yashichi. Yashichi. Alors que les 800 viennent d'être franchis par SMD. Voilà, les 900 qui viennent d'être franchis par Yashichi. Ah là, ça se joue à 5 levels hein, entre Rikocha et Yashichi. Gros, gros duel ici. Yashichi qui est bien reparti, hein, qui est bien remonté sur son cheval ici, bien en position, en maîtrise de sa vitesse. Et qui ne va pas laisser Rikocha s'imposer comme ça. Rikocha qui a réussi à reconstruire quelque chose. Et ce qui fait qu'il part avec pas tout son écran de disponible, tout son aire de jeu. Mais ah, là, par exemple, il est obligé de poser les pièces un peu comme il a pu. Mais il a décalé son erreur sur la droite, hein, ce qui est très bien vu, ce qui ne lui posera pas trop de soucis en cas de recover. Mais il ne dispose pas de tout son écran comme Yashichi, mais ce n'est pas forcément pénalisant s'il arrive à construire suffisamment haut et suffisamment vite. Hein, tout dépend de la dextérité là, des joueurs. C'est vrai que sur le papier, on pourrait penser que Yashichi ait un avantage certain, sauf que là, Yashichi ne construit plus depuis un petit moment. Il essaye, il a brodé lui aussi. Du coup, il n'a plus accès forcément à des Tetris faciles. Donc là, ça va se jouer sur des petits espaces en essayant d'enchaîner des doubles et des triples pour voir qui va être le joueur le plus rapide. Oh là là, il tient bien quand même Yashichi. Et c'est quand même Rococha, oh, ça s'est joué à rien. Oh, très bien fait de la part de Rococha, hein, qui lui a misé sur élever son jeu en hauteur, ne plus forcément sortir de Tetris, mais poser ses pièces très très vite, en ne faisant pas d'erreurs vraiment embêtantes. Et donc, Rococha et Yachichi sont qualifiés avec une partie juste sous les 10 minutes de Rococha. Très très beau match, hein. Très très bien fait là, toute la technicité hein, de Rococha, plus à l'aise. Ici dans les hauteurs à 900, même s'il n'avait pas un jeu parfait en termes de Tetris, il a su tirer meilleure partie de son adversaire, sur son adversaire indirectement, hein, mais il a mieux géré, il a trouvé en tout cas la solution qui pour lui était la plus rapide, voilà, pour finir sa partie la plus rapidement. Et chose que n'a pas réussi à faire Yashichi, mais Yashichi s'en fiche, il est quand même qualifié. Voilà, donc sortie de repêchage, nous les connaissons, Kevin DDR, Aperture Grise, Yashichi et Ryococha. Nous nous dirigeons donc vers la demi-finale que nous suivrons dans l'autre partie. Demi-finale, donc qui va opposer Aperture Grise, Kevin DDR, Yashichi, SQR, Ryococha, Ebomai, SAL et Korian. Et on suivra eh bien tout cela dans la dernière partie de ce tournoi 121. Alors on va espérer un peu plus de piment hein, pour ce climax 51. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles aventures Tetramino, c'est Gaming.